Canada à Paris actuellement, c'est peut-être pas le c'est pas le lieu le plus accueillant possible. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. C'est vrai que Paris mérite une grande équipe. Elle l'a actuellement. Bah, tant mieux pour Paris Saint-Germain. Franchement, j'ai aucune rancune dans ce domaine-là. Je suis très très content pour eux. Après, en plus, on leur a amené le joueur qui est. Je vais ramener dans le championnat de France le joueur qui leur fait la différence actuellement. Non, ma foi, je suis un petit peu fier. Voilà, c'est tout. Néné est un joueur. Pas vu beaucoup comme ça, hein. C'est bien. Un bon joueur, très bon joueur. Et il deviendra grand joueur, il est en train de devenir le grand joueur que je pressentais qu'il puisse devenir. Après, ça se joue à ses coéquipiers, c'est l'équipe qui marche bien, c'est en train d'être le cas. Et il avait un objectif, c'est être en sélection, je pense qu'il n'en est pas loin. Et je le lui souhaite pour lui. Mais bon, qu'après-demain, il soit un peu tranquille, ça nous a. Hein? Vous pouvez lui passer le message, ce serait bien. Il est temps quand même que tout le monde prenne conscience que il faut faire des résultats. Donc on fait tout pour ça. On est en train de travailler sur quelque chose de plus difficile ici. C'est la mentalité, je le dis, je le répète. Mais j'ai surtout pas renoncé, je pense qu'on peut y arriver. C'est vrai que ça part d'une prise de conscience de tous. Mais il faut reconnaître qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'aléas en ce début de saison qui peuvent basculer de l'autre côté aussi, il faut espérer. Bon, il faut se mettre tous dans l'objectif qu'a dit Stéphane, c'est vrai. Stéphane a bien parlé, je pense qu'il faut rentrer sur le terrain avec un objectif de prendre des points, des résultats. Je pense que si ce qui se passe en ce moment peut faire prendre conscience à tout le club, et je ne parle pas que des joueurs, à ça, ouais, tant mieux. Je réclame surtout l'union sacrée entre mes joueurs. Ça, c'est le plus important, mon groupe. Je l'ai dit, je le répète à mon groupe, c'est le vestiaire qui fera les choses. Mais c'est dans beaucoup de clubs pareil.